Très bien, le feu est déjà allumé. Il ne manque plus qu'un chaudron magique de sorcière pour faire chauffer les ingrédients. Un doute. Tu viens de l'inventer, cette histoire ? Tu lis mal, ça n'est jamais arrivé.
Parfait. Tu n'as plus qu'à le mettre à chauffer sur ce feu magique et à faire bouillir l'eau. Mon enfant, tu as déjà la graine. Mais il te faut maintenant un morceau de champignons pour parfumer le breuvage. Il ne manquait plus qu'un ingrédient, un champignon pour donner du goût au breuvage. Je devrais laisser tomber les champignons. Comme ça, le breuvage aura un goût de vieux orteils et ça servira de leçon au loup. Pitié! Non! Ah, très bien. Rien de tout ceci n'est arrivé. Génial! Je l'avais pas celle-là! Thank you.
Mais le petit vampiron rouge n'était pas au bout de ses peines. Car il y avait... Laisse-moi deviner. Des tas d'ennemis. Thank you.
plaisantes? Ça n'est jamais arrivé. Après avoir courageusement vaincu les ennemis, le petit vampiron rouge arriva à l'unique endroit du marais où l'on trouvait des champignons bien juteux. Un lieu plein de pentes escarpées, où le moindre faux pas pouvait être fatal. Sérieusement ? Ah, tout ça pour un gâteau. Quoi? N'importe quoi! Ça ne s'est pas passé comme ça! Le personnage de cette carte à fière allure. On a récupéré toutes les cartes de ce chapitre. Quelle équipe du tonnerre! Non, je ne crois pas que l'histoire disait ça. Je vais la relire. Avec une grande détermination, malgré la fatigue d'un dangereux voyage, le petit vampiron rouge débusqua l'énorme champignon rare qui ne pousse qu'une fois tous les 10 ans. Ok, c'est là. Je prends juste un petit os du champignon et on pourra régler ce désastre. C'était quoi? Oh non! Ce bruit fait pas partie de l'histoire. Pipi, qu'est-ce que tu fais ici? Tu as encore mangé ta laisse? La faim, Papy Drac. Attention, petit vampiron rouge! Pipi? Non, vilain! Le petit vampiron rouge devait maintenant donner des os à Pipi avant qu'il ne dévore le dernier champignon de la décennie.
Ça devrait aller. Et avec son dernier ingrédient, le petit vampiron rouge rentra préparer le breuvage pour guérir l'indigestion du loup. Une fois le breuvage prêt, elle le fit goûter au loup. Oh. Merci. Je me sens déjà mieux. Bravo, mon enfant! Le remède a marché! Tu m'emplis de fierté. On n'a peut-être pas le gâteau de mère grand, mais le grand méchant loup va mieux au moins. Au fait, papa, où est Mère Grand? Il y a fort longtemps, dans une contrée lointaine, vivait un séduisant et fringant jeune homme qui s'appelait Drac l'apprenti. Bon sang, ce qu'il fait chaud! Et le soleil ne va pas tarder à se lever. Heureusement que je suis arrivé. Après plusieurs jours d'exploration dans le désert aride, Drac l'apprenti touchait enfin au but. La caverne au trésor. Le trésor légendaire des voleurs se trouve là-dedans. Halte là, étranger. Que viens-tu chercher en ces lieux? Je m'appelle Drac l'apprenti, répondit le séduisant jeune homme. Et je veux rejoindre la bande des voleurs. Alors comme ça, tu veux une partie des richesses que moi, le roi des voleurs, conserve dans la caverne au trésor? Dans ce cas, tu devras me prouver ta valeur. Pour commencer, rapporte-moi les 3 médaillons protégés par mes hommes. Et si tu échoues, tu peux rentrer directement chez toi. Drac l'apprenti réfléchit un instant. Et elle savait que de nombreux périls l'attendaient aux alentours. D'accord, je vais chercher les 3 médaillons. Mais bien décidé à mettre la main sur ce grand trésor, il fit preuve de courage et accepta. Hé, une soirée compte. Moi aussi, je veux participer. Pas question. Franck, une minute. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Où est le reste de moi? Tu es vraiment pénible, Franck. Maintenant, le jeune apprenti va devoir retrouver tes membres éparpillés dans les chapitres. C'est génial! Je vais être le personnage principal de ma propre histoire! L'apprenti ne tarda pas à découvrir que l'oasis était un vrai dédale. Mais il ne comptait pas baisser les bras. Thank you.
bien. Voilà le premier voleur au médaillon. C'était plus simple que je pensais. On s'ennuie. Bien le bonjour. Alors le patron disait vrai. On a un nouvel apprenti voleur. Le voleur n'allait pas céder son médaillon si facilement. Si tu crois pouvoir récupérer ce médaillon, tu te trompes, l'ami. Aucun voleur n'y est jamais parvenu. Essaie de m'attraper. Et si tu y arrives, je t'offrirai le médaillon en récompense. Le voleur s'était transformé en mirage sous les yeux de l'apprenti. Et pour couronner le tout... Ça devient intéressant. Impressionnant, mais tu n'y es pas encore. On va bien s'amuser. Allez, attrape-moi si tu peux. Et comme par magie, la voix du voleur se dissipa dans le désert. Bon sang, ça ne va pas être de la tarte. C'est une regorge de danger et de miracles. Génial! Je l'avais pas celle-là! Back!
cette petite maligne se croyait bien cachée. Mais on l'a vu. Bon travail. Après une longue recherche, Drac l'apprenti trouva enfin le voleur. Le médaillon était à portée de main. Tu n'as pas dit Colin ? Mais le voleur ne se laissait pas faire. Par chance, les lieux étaient paisibles. Drac l'apprenti allait pouvoir se reposer. Sauf que non, parce que tout à coup... C'était un guet-apens. Grâce à mes talons inégalés, je peux reprendre tranquillement ma recherche. Je suis le meilleur! On a récupéré toutes les cartes de ce chapitre. Quelle équipe du tonnerre! À deux doigts de tomber de fatigue, l'apprenti trouva enfin le voleur furtif. Je te félicite d'être arrivé jusqu'ici, mais parviendras-tu à me trouver parmi Samira? Voilà. Maya!
ça y est, tu m'as eu. Ah, j'avoue que je me suis bien amusé. Tiens, et bonne chance pour les suivants. Les autres voleurs ne seront pas aussi sympas que moi. Ils sont bien trop fiers. Tu as promis. Tu dois te dépêcher d'aller dans le désert trouver le prochain avant l'eau. Le premier médaillon en poche, Drac l'apprenti, se rendit aux dangereuses dunes de l'Est où régnait le grand maître du sable. Encore le désert ? Ah ! J'ai eu ma dose de sable la dernière fois. Thank you.
Être celui qui pense pouvoir piquer mon médaillon. Dit le voleur lorsqu'il vit l'apprenti. Voyons si tu es assez malin pour ça. Tu veux faire un concours de danse? Soudain, sous les yeux de l'apprenti, le voleur fit apparaître un casse-tête alambiqué. J'aurais préféré le concours de danse. Je te prie de m'excuser, petit homme. Je vais m'installer confortablement pour admirer ton échec. L'apprenti avait-il une chance de résoudre cette énigme? Peut-être bien que oui, car le bandit ignorait une chose. Drac l'apprenti maîtrisait la télékinésie. La télé quoi? Je suis sûr que... Disons que notre protagoniste peut utiliser ses pouvoirs pour déplacer ses lourds rochers. Qu'est-ce que tu dis de ça, le voleur? Lança l'apprenti sur un ton de défiance. Ça alors, j'ai à peine eu le temps de m'installer. Mais tu dois encore relever mes autres épreuves. J'ai bien envie d'arriver au bout de cette collection! Thank you.
Mais Drac l'apprenti n'eut même pas le temps de souffler, car le voleur avait dressé plein de pièges sur sa route. Oh, quelle puissance! Je suis sûr que ces points sont encore plus dévastateurs.
L'apprenti savait qu'il devait récupérer ce trésor à tout prix. Alors, il surmonta chaque obstacle l'un après l'autre. Ça m'a épuisé de te regarder, petit. Mais il te reste encore l'ultime épreuve. Tu crois que je n'y arriverai pas à temps? Ha! Regarde bien! L'apprenti, tu peux y arriver!
super. Drac l'apprenti passa sans problème la dernière épreuve du voleur. Cependant... Malédiction. Très bien. Tu as gagné, Jobin. Je te donnerai volontiers le médaillon. Si je l'avais sur moi. Quoi? Mais c'est de la triche! Désolé, l'ami. Il y a quelques siècles, il s'est brisé en plusieurs morceaux que mes sbires avides ont cachés dans l'oasis. Tu vas devoir les retrouver.